Niccolò, en larmes, accuse Victoria de s'être de lui et publie ses derniers SMS. Depuis leur rencontre dans les 50, Victoria et Niccolò étaient le couple goal de la télé-réalité. Faux amoureux dans la vie et à l'écran, on ne s'attendait pas à une fin si brutale. En effet, depuis qu'ils sont rentrés des apprentis aventuriers 6, les deux tourtereaux ne se sont plus du tout affichés ensemble. Si on pensait qu'ils s'étaient disputés au retour des Philippines, on apprend finalement que Victoria avait commencé à ghoster son chéri bien. Depuis leur retour de LA6, où ils ont été rapidement éliminés du jeu, le couple semble être en froid. Et on en a eu la confirmation, puisque Victoria, séparée de Niccolò, a revu son ex Bastos lors d'une soirée parisienne. Pire encore, une photo de Victoria et Bastos en train de s'embrasser a fuité. Sous le choc, Niccolò, qui pensait toujours être en couple avec la jolie blonde, est resté sans voix durant plusieurs jours. De son côté, Victoria, qui confirme bien être célibataire, confie qu'elle a embrassé Bastos après quelques verres. Toutefois, elle dément formellement s'être remise en couple avec son ex, comme l'ont annoncé certains blogueurs. Niccolò, qui pensait juste à une embrouille avec sa chérie, tombe littéralement des nues. Point. C'est donc les larmes aux yeux qu'il s'est exprimé après avoir reçu une vague de soutien sur les réseaux. Merci pour tous vos messages touchants. Je suis choqué de cette gentillesse. Guillaumet. En voyant les dernières stories de Niccolò, Vivi n'a pas été attendrie, bien au contraire, je viens d'apprendre que je n'étais pas célibataire. Point. Niccolò se place un peu en victime. Juste une chose, ça faisait 5 jours qu'il ne répondait plus à mes messages. Il y avait eu plein d'histoires avant. Vous allez vraiment comprendre. Il a fini par m'envoyer un message avant-hier soir qui se terminait par « bonne continuation ». C'est quoi ? J'ai répondu « toi aussi ». Ça veut dire qu'on n'est plus ensemble. Pour moi. C'était clair donc je me considérais célibataire. Qui n'a jamais critiqué son ex à mort pour au final y retourner. J'ai trompé personne. Suite à cela, Niccolò a tenu à réagir, « je ne suis pas bien. Je ne fais pas la victime. » Point. J'ai commenté une photo qui m'a choqué de mon ex qui embrassait son exemple quand Vivi dit qu'elle est célibataire. C'est depuis quelques heures. Je lui ai dit bonne continuation samedi, quand j'ai appris qu'elle enregistrait le clip avec Bastos. Je l'avais eu la veille de son départ où elle a oublié de me dire qu'elle le verrait. Pour voir le message de Niccolò envoyé à Victoria après son rendez-vous avec son ex, c'est dans le tweet ci-dessus. Mais ce n'est pas tout. On apprend par Niccolò que le couple était déjà en crise avant le départ pour les apprentis aventuriers 6. Dans les SMS publiés par le bel italien, on voit bien que Victoria ne faisait aucun effort dans la relation. Point. Elle n'a jamais bougé ses fesses pour venir me voir à Milan et elle n'a jamais voulu connaître ma famille. Elle me dit toujours qu'elle est fatiguée la pauvre. Alors, la rupture a-t-elle été provoquée par Victoria? En tout cas, Niccolò se demande si elle ne s'est pas servie de leur couple pour les tournages et son business.